faut que tu me coupes les cheveux. Tu sais qu'il faut que tu me coupes les cheveux avant qu'on parte. Quoi? Quoi? Si tu te rases. Ce soir. D'accord. Bon, il faut savoir un truc. 74 km. Il faut savoir un truc ici. On est à Atacama, désert d'Atacama. On est allé à la station-service hier qui s'appelle... C'est quoi au Chili déjà la station-service? Copec. On est allé à la Copec. Et ils n'ont pas d'eau. Alors sur le coup, je pensais qu'ils ne voulaient pas me donner de l'eau. Mais en fait, on s'est renseigné, l'eau est une denrée rare ici au désert, donc personne n'a de l'eau. Alors il y a quelques particuliers qui vendent de l'eau. Donc qu'est-ce que tu as vu toi? 20 litres, ils vendaient 2500 pesos. 2500 pesos, ça fait un peu moins de 3 euros, 20 litres. Alors nous, 400 litres. 400 litres, bon ben ça ne le fait pas. Donc là, on s'est posé dans un camping qui est génial, d'ailleurs je vous mettrai le petit lien. Le problème c'est que lui non plus il n'a pas d'eau et l'eau qu'il a c'est de l'eau salée puisque c'est sûrement un forage. On va faire le plein avec un peu d'eau salée mais on ne pourra pas la boire et puis on va faire attention quoi. Voilà. Allez, on y va. Tropique du Capricorne. Capricorne. On n'arrive pas. Tropique du Capricorne. Allez, jour suivant, donc on a fait le nord hier avant-hier, là on part vers le sud. Je suis du signe de Capricorne, donc on va au tropique du Capricorne. Alors ici, au désert d'Atacama, on a appris qu'il pleuvait qu'une petite semaine par an. Donc l'eau est super précieuse. Et je me demandais comment faisait la végétation pour pousser comme ça. C'est vrai que l'industrie minière cause quand même pas mal de catastrophes dans les petits villages parce qu'ils récupèrent toute l'eau pour les mines justement et ils privent beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles et de petits villages qui eux attendent que les camions-citernes leur livrent de l'eau. Donc c'est quand même un peu catastrophique. Ouais, véhicule de la gendarmerie, regardez. Waouh, mais ils sont tous fatigués. Waouh. Plein d'eau. Ouais, pollué quand même, hein. Hop, de l'autre côté. Et c'est le problème des petits villages qui se trouvent en bordure du Pacifique. Donc les poissons sont quand même pollués. Tout ça parce qu'ils sont dans des cours d'eau qui ont été pollués par les industries minières. Et que l'arsenic fait partie de la vie quotidienne des habitants. Quoi. C'est catastrophique. Bon, on avait fait le plein quand même en Argentine, hein, mais on a quand même passé un réservoir, donc il nous en reste encore deux de plein. Oui, parce qu'en Argentine, eh ben, évidemment, le gasoil n'est pas cher, une quarantaine, 40-45 centimes à peu près. Mais au Chili, c'est pas la même histoire. Hein, du deux. Ah, je croyais que c'était 1,30. Ça dépend des stations. 1,50, ça dépend des stations. Donc là-bas au fond, c'est le Salar d'Atacama. Bon allez, on vient de s'arrêter sur le bord de la route. Il y a des petits jeunes qui sont enlisés avec le 4x4. Donc Christophe va les tirer avec le treuil. On va faire en sorte de les sortir. Ils ont essayé de mettre le cric, des cailloux. Waouh, ok. Mais ils s'en sortent pas quoi. Pas évident.
faut trouver le crochet. Il y est le crochet? Hein? Alors on se met devant? Tu les tires de devant peut-être alors? Oui, c'est de tirer derrière. Là, on va tirer là, mais tranquillo, tranquillo. Hein. Pourquoi le mieux c'est de tirer derrière? Et par où il est rentré, il faut ressortir par où il rentre. Ok. Ok. Ça risque pas de frotter sur le pare-choc? Non, ça va aller. Ok. Comment? Attends! Donc il retire tout ce qu'il y a dessous. On va s'éloigner. Es bueno? Sí? Sí. Heureusement, il n'y a personne à droite, personne à gauche. Oh my God! Waouh, super! Tout doucement. C'est la gendarmerie, donc parfait. Stop, l'autre voiture. Allez, nickel. Bon, bah. C'est bon. Chica, chica. Adelante, adelante un poquito. Ouais, ça, c'est sorti. Bah, impeccable! Mets les doigts dans le nez! Ah! Non. C'est bon. Un petit peu. Hein? Si? Ouais, c'est bon. Allez, impeccable. Tu voulais pas t'arrêter jusqu'au moment où tu as vu qu'ils étaient enlisés, les pauvres, hein? Qu'est-ce qu'ils sont allés se mettre là-dedans? Les jeunes, ils voulaient faire du 4x4, là. Ouais, vous les deux, sauf qu'elle elle savait pas conduire, hein? Non, non, tout allait bien, mais ils n'arrivaient pas à sortir. Donc, vous avez vu, ils avaient mis des pierres, ils avaient mis du carton. Non, mais du carton. Donc voilà, ils étaient contents. Oh, le petit jeune, là, il tremblait de tout son corps, tu as vu? Il avait peur de sa caution. Ah, sûrement. Il avait peur de sa caution. Sûrement. Alors, lui était espagnol, il venait d'Espagne. Elle, aux cheveux longs, était allemande. Et l'autre jeune fille, De l'Est, au-dessus du Danemark. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du Danemark? Dans les auberges de jeunesse, ouais. Et nous, des véhicules ensemble. En bas. Essaye. Non. Attends, j'aurais aimé le mettre en haut. Regardez. On y est. Tropique du Capricorne. Tu arrives? Ou sinon, on recule le camion. Et de la hauteur du camion, je pourrais le mettre là-haut. Mets-en un en bas, déjà, sur le pied, et j'en remettrai un en haut. Oh, je suis trop contente, je voulais vraiment le faire, ça. Être à la limite du tropique du Capricorne. Yep! Alors, regardez là, les volcans et les terres de différentes couleurs. Tout autour de nous. Je l'ai eu là-haut. Attends. Je l'ai eu là-haut. Oui. Excellent, non? Ah ah.
Bon, bah, le tropique du Capricorne est quand même à 3000 mètres. Hein. Ça se mérite. Ça se mérite, oui, oui, oui. On vient d'arriver donc à Sauker hein, et c'est là où on doit prendre les tickets pour la Laguna. Ah, les deux Lagunas, je vois, et le Salar. Ok, ben, on y va, hein. Alors voilà, là il faut que je filme parce que Christophe utilise le frein moteur. Mais pas que le frein moteur du camion, regardez. Donc il utilise la bande de sable, c'est quoi ça? C'est pas de la ferraille? Non. Il utilise la bande de sable sur le côté pour ralentir le camion en descente, c'est génial. N'est-ce pas? Ouais. On n'a pas de pétrole, hein. On a des idées, hein. Les gars. Moi, le moteur ne gueule pas. On élargit un peu la route. Non, ça fait pas les traces, ça ralentit, c'est tout. Excellent. Il n'y a pas que les nôtres traces quand même, hein, regarde. Non, mais... Vraiment, c'est une journée multicolore en couleurs, là. Allez, c'est parti pour un vol de drone. Sur cette magnifique lagune.
Ah ouais. Ah, allez, viens. Viens dans mon carrosse. Ah. Assieds-toi. Viens. Mon bébé. Ah. On est tous les trois à l'abri. Ah. Voilà le parc. Grandiose, non? Grandiose. Allez, on est en route pour Calama. Calama se trouve à côté de... Enfin, 100 bornes, je crois, non? De San Pedro de Atacama. On va dans une gomeria que Mauricio, le propriétaire du camping, nous a conseillé. Parce qu'on a le pneu qu'on avait fait réparer à Jesús María, en Argentine. Le patch extérieur ne tient pas. Donc Christophe, déjà le premier jour, il ne tenait pas. Christophe avait essayé à plusieurs fois de le coller. Mais là, avec les pistes du désert, on préfère faire une belle réparation. Donc il nous a conseillé d'aller voir à Calama, il y a une gomeria qui fait de la vulcanisation, donc réparation, et en même temps on va se renseigner pour voir qu'est-ce qu'il a comme pneu. Voilà, allez, direction Calama, on va réparer encore ce pneu qui n'a pas été bien réparé en Argentine finalement. Allez, donc on est au Chili. On a fait réparer le fameux pneu qu'on avait fait réparer à Jesús María et toute la réparation n'avait pas tenu. Pas tenu un jour, donc je fais le tour. Voilà. Donc là, Christophe est en train de... En fait, on a laissé le pneu hier matin. Le pneu abîmé qui était sur la roue. Donc on a mis la roue de derrière, on l'a mis devant, et celle de devant, donc ils l'ont gardée pour la réparer. Donc là, on a rechangé les pneus, donc celui réparé revient devant, et celui qui était en option, on le remet derrière. Voilà. Donc le treuil fonctionne super bien, le treuil manuel maintenant, hein, on a remis le treuil manuel. Voilà, et je voulais vous montrer, oh, la musique est à fond, la musique est à fond. Je voulais vous montrer donc le pneu qui a été réparé. Attendez, c'est la réparation. No le veo. Búsquela. Hein? Búsquela. Non, búsquela, búsquela, búsquela. Attends, je la cherche. Non. Acá? Ah, regardez-moi ça! Oh, quel bon travail! Waouh! Eh, on refait, hein? Super bon travail! On le voit même pas. Super bon boulot. Très, très bon boulot. Allez, on surveille, on surveille. Nous, on est là, dans le bureau, et le truc est là-bas. Allez, toujours le même procédé, mais j'avoue que c'est quand même vachement bien fait, regardez. Impossible de voir la différence. Alors, à donde esta, hein? Ici. Ils ont même refait le petit bourrelet. Superbe, superbe. Donc derrière la plus grosse mine, le plus gros trou au monde, qui se trouve là-bas derrière, et donc la ville de Calama. Calama, oui c'est ça, et toujours dans le brouillard. Regardez cette poussière.
retourne en Argentine. On continue un petit peu le nord de l'Argentine et on se dirige vers le Paraguay. Donc nos aventures chiliennes s'arrêtent pour le moment ici, là et maintenant. Ciao tout le monde. Ciao.